WordPress, le logo de site. Je souhaite dans cette vidéo remplacer le titre Tivox Store par une image, beaucoup plus euh, parlant qu'un simple texte. Pour faire cela, je vais basculer dans mon back-office de site. Quand je suis dans le back-office du site, je vais aller sur Apparence puis euh, Personnaliser. Maintenant que je suis ici, je vais aller directement dans l'en-tête. Il y a beaucoup d'options dans ce dans ce dans ce thème. Je rappelle que nous sommes avec Ocean WP, et donc dans Ocean WP, eh bien, on a une section en-tête. Et donc dans cette section en-tête, j'ai une sous-section qui s'appelle logo, qui va me permettre de placer un logo de site. Donc, je vais sélectionner mon logo. Bien entendu, il n'est pas dans ma médiathèque. Je vais donc téléverser les fichiers. Ce fichier se trouve dans notre bibliothèque de ressources. Alors, dans la réalité, bien entendu, il faudrait que vous fabriquiez ce logo. Il faudrait peut-être prendre le logiciel Canva et puis euh, fabriquer votre logo et puis l'enregistrer, l'exporter au format PNG pour obtenir une image de ce type-là. Une fois que vous avez votre image, eh bien, on va l'importer dans la médiathèque, comme on vient de le faire ici. Voilà, elle fait 22K et elle fait 500 pixels par 500 pixels. Je vais sélectionner cette image. Je n'ai pas besoin de la recadrer. Donc l'image apparaît et elle me paraît énorme par rapport euh, au titre, le t-shirt et à co-responsable qui, qui est en dessous. Il va donc falloir la réduire un petit peu. On va, on va essayer de, de revenir à quelque chose comme. Environ 200 pixels, on va voir ce que donne. Ou 170 pixels. Voilà, il est retaillé, donc 170 pixels me donne quelque chose de, de, de correct. Plutôt 170 pixels en hauteur, non Là, j'ai un, un carré, donc c'est parfait. Parce que c'est une, une imagette carrée, ce qui est tout à fait logique. Je vais euh, enregistrer, je vais publier, voir un peu ce que cela donne sur mon site web. On actualise. Et on a ce logo euh, qui reste quand même assez gros. Donc j'ai envie de le, de le descendre à, à 130, ça me suffirait largement. Donc on peut faire des retouches hein, pour voir un petit peu la proportion de, de ce logo. Je pense que 130 serait pas très bien. Donc je vais revenir à 130. Alors, je pense qu'il garde la proportion mais je préfère mettre 130 des deux côtés. Euh, une fois que cela est fait, je vais pouvoir le publier et réactualiser. normalement elle va se réduire un petit peu. Voilà donc j'ai un logo là qui me paraît de, de bonne taille. J'espère que euh, cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et euh, bien entendu à vous abonner.